Décélération du rythme de formation des prix à l'intérieur par rapport à la semaine dernière, baisse du taux d'inflation de l'ordre de 0,74%, légère appréciation du franc congolais. Ce sont des indicateurs qui ressortent de la dernière réunion du comité de conjoncture économique. En ce qui concerne les secteurs réels, le comité de conjoncture a noté la décélération du rythme de formation des prix intérieurs. En effet, le niveau général des prix des biens et services a baissé par rapport à la semaine dernière. Le taux d'inflation s'est situé à un niveau faible par rapport à la semaine dernière aussi. De 0,081% la semaine passée, il se situe à 0,074%. S'agissant du secteur des finances publiques, le comité de conjoncture a noté particulièrement la faible mobilisation des recettes publiques. En ce qui concerne le secteur extérieur, il a été observé une stabilité relative du franc congolais par rapport au dollar américain. En effet, on a constaté une légère amélioration, une légère appréciation du franc congolais par rapport au dollar. À l'indicatif, le dollar se change à 1980,75 francs congolais et au parallèle à 2021 francs congolais. S'agissant des réserves internationales, il y a eu aussi une légère amélioration de ces réserves par rapport à la semaine passée. Ces réserves sont donc passées de 665,43 millions de dollars la semaine passée à 671,26 millions de dollars au cours de la semaine sous examen. Quant au secteur minier, en dehors du cobalt dont les cours ont continué à augmenter, les autres ont connu au niveau de ces cours, dire une baisse relative.